Bonjour. Merci beaucoup d'aider la Banque alimentaire d'Ottawa à amasser de la nourriture pour les gens de notre ville. Nous allons aider beaucoup de gens ensemble. Alors voici quelques éléments à savoir avant d'arriver à la collecte de denrées alimentaires. Le personnel de la Banque alimentaire d'Ottawa ne sera pas présent lorsque vous arriverez, mais quelqu'un de notre équipe pourrait vous rendre visite pendant votre quart de travail. Arrivez à temps. Une fois sur place, vous trouverez un support à sac de la Banque alimentaire d'Ottawa à l'entrée du magasin. À l'arrière du support à sac, il y aura une trousse d'informations contenant tout ce dont vous avez besoin, y compris des étiquettes de nom et les coordonnées du personnel si vous avez des questions ou des préoccupations tout au long de votre quart de travail. Si vous êtes un étudiant et vous avez besoin d'une signature sur votre formulaire et une vérification de vos heures de bénévolat, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des bénévoles de la Banque alimentaire d'Ottawa après avoir terminé votre quart de travail. À la fin, laissez tout comme vous l'avez trouvé. Si vous ne pouvez pas assister à votre quart de travail, assurez-vous de nous le faire savoir dès que possible en utilisant l'option d'annulation en ligne. Ceci est très important. Cela nous donnera l'occasion de trouver un remplaçant qui pourra couvrir votre quart de travail. Voici ce que vous pouvez faire pour avoir la meilleure expérience de bénévolat et aider à en faire une excellente journée pour tous. Établissez un contact visuel. Saluez les acheteurs en leur offrant un sac de dons de la Banque alimentaire d'Ottawa. Gardez votre téléphone cellulaire dans votre poche ou votre sac lorsque vous faites du bénévolat. Dites merci. Assurez-vous que les gens sachent que nous apprécions leurs dons parce que nous l'apprécions vraiment. Les bénévoles ne devraient pas accepter de dons en espèces, mais peuvent faire savoir aux gens qu'ils peuvent faire un don en ligne à ottawafoodbank.ca. Être debout pendant des heures peut être fatigant. Assurez-vous de porter des chaussures confortables avec un bon support. N'oubliez pas de vous préparer aux conditions météorologiques, car vous pourriez être situé à proximité de l'entrée du magasin. Mais surtout, amusez-vous et merci encore.